Pas de questions, no questions. Le volume d'entraînement est aussi très conséquent et donc c'est pour ça que les différences se manifestent aussi rapidement. On parle des différences significatives qui peuvent exister en termes d'heures d'entraînement également. Ça représente combien d'heures d'entraînement? Écoutez, si vous prenez par exemple Elias Braquet qui est en finale du simple messieurs, il s'entraîne 23-24 heures par semaine, 6 jours sur 7. Alors, on voit les deux premières finalistes dames qui disputeront donc la première finale de ces championnats de Belgique. Il s'agit de Clara Lasso et Lisa De Meyere. Clara Lasso, elle vous a présenté. C'est quand même une joueuse extrêmement réputée. Elle est là où on l'attend en fait. Elle est tout à fait là où on l'attend, effectivement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion en or pour elle de remporter son premier titre en simple dame, puisque vous savez que les 14 années précédentes ont été trustées par Lian Tan, qui n'est pas là aujourd'hui pour les mêmes raisons que Julien Karadji. Elle était en Thaïlande. Oui, elle est en Thaïlande. Et c'est en effet la tenante du titre. Ici, c'est Clara Lasso face à Lisa De Meyere, qui, elle, est peut-être une... Une petite surprise à ce niveau ou pas? Non, c'est une très très bonne joueuse et vous allez voir, je pense que les échanges vont être bien disputés. Une joueuse puissante, tout comme Clara. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Je vous propose une petite respiration. Voici un clip réalisé avec quelques images tournées durant la première journée de ces championnats de Belgique. On se retrouve dans un instant pour donc la première finale, celle des simples dames. Donc vu dans ce clip, il y a eu déjà du beau spectacle hier après-midi avec déjà des matchs importants, notamment Charles Fouyen qui a décroché une belle victoire face à Baptiste Rollin, un joueur issu de Ciné qui est également très prometteur au niveau du bat belge. Absolument, c'est un des jeunes qui monte et qui fait notre fierté dans le badminton francophone. Baptiste Rollin, je suis certain qu'on en entendra encore parler très prochainement. Qu'est-ce qui lui manque encore peut-être pour atteindre un niveau tel que celui de Charles qui l'a un peu surclassé hier? Qu'est-ce qui lui manque? Certainement quelques années, mais un petit peu d'expérience dans le plus haut niveau. Oui. Charles écume le circuit international depuis déjà longtemps, il est à très haut niveau et donc je pense que c'est l'expérience qui fait la différence. Alors ici, on va se reconcentrer sur ces deux joueuses. Et là, on voit l'image Lisa De Meyere qui est actuellement troisième du classement national. Ça signifie que c'est une joueuse qui est quand même attendue et qui est à la place qu'elle mérite aujourd'hui. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Troisième au classement national, c'est du très haut niveau. Lisa qui vient du club de DZ99 et qui joue aussi les interclubs en France à Beauvais. Oui, ça c'est aussi une particularité. Hein. Donc on a des joueurs nationaux qui disputent les interclubs dans d'autres nations, dans d'autres championnats, dans d'autres pays. Pour quelles raisons?
Je pense que c'est une question de professionnalisme et de niveau. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'en Belgique, effectivement, on est un trop petit pays que pour pouvoir organiser une compétition nationale de très haut niveau. On n'a pas les mêmes moyens non plus que ceux que peuvent proposer des pays comme l'Allemagne ou comme le Danemark, pays dans lesquels nos joueurs jouent. Et la différence de niveau, pour quelles raisons? Parce que quand même, lorsque l'on regarde au niveau junior, on a d'excellents jeunes, notamment on parlait de Charles tout à l'heure, Charles Fouyenne, qui est quand même troisième mondial au niveau junior. Alors pourquoi cette différence également lorsqu'on arrive dans les catégories seniors? Ah, c'est une bonne question, Thomas. Je crois qu'il y a... Bon, on est un pays en Belgique où on ne peut pas vivre du badminton et donc à un moment ou un autre, le jeune à 19 ans doit décider s'il se lance dans une carrière professionnelle de badminton ou bien s'il se décide à faire des études ou qu'il commence à travailler. Aujourd'hui en Belgique, peu de joueurs, ça signifie que peu de joueurs sont professionnels en interclub. On n'est pas payé pour jouer en interclub ici en Belgique. En Belgique, on n'est pas payé ou très très peu payé. On a déjà eu des discussions par le passé au niveau fédéral pour essayer de redynamiser la compétition belge d'interclub en la professionnalisant et en envisageant un paiement des joueurs, mais ça n'a pas encore abouti. On a quand même d'excellents joueurs. Si on reprend les rankings hein, des principaux, Julien Karadji, 88e mondial. Alors ça peut paraître loin, mais lorsque l'on voit des gros pays pourvoyeurs de joueurs professionnels que sont les pays asiatiques ou encore le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, bah c'est pas si mal que ça en fait. Non, vous avez raison, c'est très très bien. Et tous ces jeunes, Julien Karadji, Yaro van Delzen, Elias Ladies Marquet, and gentlemen. Ce sont des jeunes prometteurs et qui sont le résultat d'une excellente formation au niveau des jeunes et des écoles de jeunes. Formation qui se professionnalise aujourd'hui davantage qu'auparavant. C'est l'un des objectifs de la Fédération et de la Ligue francophone belge de badminton en particulier. Aujourd'hui, ça fait déjà un petit temps que ça existe tout de même. Il y a des sports d'équipe qui sont organisés en badminton également. Il y a le Top Sport, le programme Top Sport en Flandre. En Wallonie, expliquez-nous ces programmes. Alors, le programme Top Sport en Wallonie, en tout cas, c'est un système de sport-études tel qu'on le connaît. Et grâce aux infrastructures sportives qui sont mises en place à Liège, au centre sportif du Blanc-Gravier, il y a toute une structure qui est mise en place pour que les jeunes joueurs soient dans les meilleures conditions possibles et puissent poursuivre finalement un parcours scolaire de qualité. Et au niveau flamand, c'est en réalité la même chose. Au départ à Anvers et maintenant à Leuven. Alors que ce match a débuté avec un premier point pour Clara Lasso. Là on voit hein, ça envoie de longs volants pour obliger la joueuse adverse à rester sur le fond du court. Oui, ça peut être une tactique pour ensuite surprendre par un volant plus court qui retombe derrière le filet. Vous savez que le badminton, c'est un sport extrêmement physique. On ne le dirait pas comme ça sur l'écran, mais les distances à parcourir sont longues. Il faut aller très, très vite. C'est très explosif. Et je pense que les deux joueuses sont en train de se jauger un petit peu en s'échangeant dans longues frappes de fond de court. C'est toujours un peu comme ça au début de match, lorsqu'on dispute en tout cas des rencontres importantes. Ça dépend un peu de chacun. Certains veulent attaquer directement, d'autres préfèrent prendre la température. Ça dépend du style de joueur. Et là, Clara Lasso commence à attaquer directement par un smash long de ligne côté revers. Elle prend déjà une belle option 4-0. Après, c'est le début du match. Il n'y a rien de joué, évidemment. C'est le début. On va jusque 21. Il faut gagner 2 sets de 21 pour remporter le match. C'est ça. 2-7 de 21, mais 2 points d'écart nécessaires en cas d'égalité à 20 parties. Exactement. Et là, on prolonge jusqu'à ce qu'un joueur ait 2 points d'avance ou bien que le premier arrive à 30. C'est ça. On ne peut pas aller au-delà de 30. On ne peut pas aller au-delà de 30. Certains vous diront que c'est déjà très très long, 21 points. Il y a des réflexions qui sont menées par la Fédération internationale pour réduire le temps de jeu. La première faute. Oui. Le premier saut. Et pourquoi justement réduire 21, c'est vraiment parce que c'est un sport intensif où on ne s'arrête pas lorsqu'il y a un point qui est disputé, c'est ça? Non, je pense que c'est plus pour l'intérêt des téléspectateurs. En réalité, on vit dans un monde qui change et où tout se raccourcit finalement en termes de spectacle et d'attention que l'on peut avoir. Et donc, je crois que oui, réduire le nombre de points par set pourrait être bénéfique, en tout cas pour la médiatisation pour peut-être et le spectacle.
Mais bon, parfois, on a déjà des matchs qui n'ont pas une grande durée. Alors, si on réduit encore les 7 à 11 points, on va se retrouver avec des matchs disputés en 20 minutes ou en 15 minutes pour certains. Oui, absolument. Et on va peut-être perdre un côté physique que contient ce badminton. Ça cogne. Hein. Ça cogne. Hein. Elle envoie des patates et... Et elle répond systématiquement. Qui répond. Hein. Ah oui, et là ça s'écrase. On sent la posture du dos peut-être au départ qui n'est pas parfaite pour renvoyer ce volant sur ce dernier coup. Absolument, vous avez raison, mais c'est un coup qui est difficile à exécuter parce qu'effectivement vous êtes en déséquilibre, vous devez plier votre dos et prendre le volant autour de votre tête, comme on le dit. C'est pas facile. Alors ici, il y a quand même quelques fautes directes qui s'enchaînent. Ouais. C'est très, très important dans le badminton d'éviter les fautes directes. Est-ce qu'il y a aussi un petit jeu d'intimidation? On en parlait, les joueurs, les joueuses se jaugent beaucoup en début de match. Mais est-ce qu'il y a un petit jeu d'intimidation également dans le badminton? Oui, beaucoup plus qu'avant. Effectivement, c'est un sport qui est aussi très mental et on peut pouvoir rentrer dans la tête de son adversaire, même avant le début du match. Et si vous l'entendez à la télé, les joueuses crient après chaque point qu'elles gagnent. Peut-être pas Lisa, mais Clara s'encourage à chaque point. Il y a une espèce de manifestation de caractère là, qui se fait à chaque point. Alors, on a vu là un petit signe de Clara. Ça signifie qu'elle est prête ou qu'elle n'était pas prête. Elle voulait attendre. Reprendre ses esprits, elle a bien fait puisqu'elle vient de remporter le point et on se rapproche de la moitié du set et de la première pause qui va animer le premier set. La première pause qui intervient après 11 points. Donc là, il y a un temps mort de... D'une minute. Les joueurs peuvent se reposer un petit peu, ils peuvent aussi recevoir du coaching. Ouais. Je ne pense pas que ce soit le cas des filles ici. Je ne crois pas que leur coach soit présent. Je pense que... Il y a une coach pour Lisa, mais Pas pour Clara, non. 5-9. Et on repart dans la filière, là, à gauche. Oui, et alors, c'est surprenant peut-être, dans ce début de partie, Lisa Demeyer, même à son service, essaie d'aller chercher la longueur d'entrée de jeu. Oui, et tandis que Clara ici vient de servir court. On dit souvent que le service court est un coup d'attaque, tandis que le service long est un coup défensif, mais qui permet de bien se replacer en plein milieu du terrain. Et en 5, première pause, avantage pour Clara Lasso. On le voit, hein, Clara qui porte un tape au genou. C'est le cas depuis le début du week-end hein, de ces championnats. Certainement une petite blessure, une petite gêne. Très probable. C'est un sport qui met les articulations en rude épreuve. Hein. Je ne dirais pas qu'à 35 ans, vous êtes bon pour la casse, mais presque si vous avez fait du badminton à haut niveau. Ça signifie qu'on ne peut pas jouer à haut niveau jusqu'à 40 ans? Si, bien sûr que si, mais vous ne pouvez plus prétendre à une place dans le top 50 mondial au-delà de 35 ans, je dirais. Ah oui, donc c'est aussi un sport entre guillemets précoce, un peu à l'instar des sports tels que la gymnastique ou le tennis, parce que ça encaisse énormément au niveau des articulations. Oui, ce sont des chocs, c'est de l'explosion à chaque fois. Pas rare de voir un joueur se rompre le tendon d'Achille sur un terrain de badminton, par exemple. D'accord. Parce qu'il y a évidemment également tout le jeu d'appui qui est important. Oui. Les changements de direction. Oui, tout à fait. Autre particularité aujourd'hui dans le badminton, on voit des services, c'est une obligation évidemment, le service en dessous du nombril, mais beaucoup moins de services à la louche. Aujourd'hui, ça devient rare, cela. Oui, c'est vrai, parce que vous avez ici un service à la louche qui vient d'être proposé, mais vous exposez finalement à une attaque directe de votre adversaire. Et donc autant servir court généralement. Autre joueuse qui est en devenir, hein, qui est encore très jeune, c'est Carla Henry. Et Carla, elle par contre, hier servait énormément à la louche. Ah oui, ah ben voilà. C'est aussi un sport très tactique au final. Oui, absolument.
Vous devez jouer avec les angles, avec les coins, vous devez faire visiter le court à votre adversaire, mais ouais, alors qu'ici, c'est bien amené de pas maîtriser tout à fait. Elle a dominé l'échange, on sentait Lisa Demeyer plus sur la défensive dès le départ. Et ça s'est confirmé avec la conclusion. Oui, absolument. De Clara. Ah, très bien vu. Pour quelques millimètres, le volant est dehors. 15, Clara qui est également un peu une régionale de l'étape hein, de ces championnats de Belgique. Hein, elle qui vient du club de Rick Sansard. Je pense qu'elle est originaire de Jodogne également, Clara. Donc, Oui, elle s'entraîne du coup à Liège au centre études. Elle joue aussi, sauf erreur, elle joue à l'étranger. Elle a été 15e mondiale junior, Clara. Donc elle fait partie des grands espoirs belges. Elle est actuellement 127e mondiale. Il faut un petit peu de temps pour assurer la transition entre les juniors et les seniors pour monter bien dans le ranking mondial. Mais elle est en bonne voie. Si je ne m'abuse, elle a également un bon classement européen. Je ne l'ai pas, je pense l'ai pas devant moi. Elle est 16e au classement européen. Là où les Belges ont généralement aussi des bons classements hein, sur notre continent. Voilà, quand on enlève déjà toute l'armada asiatique, ça laisse un peu plus d'espace. Ah, oui, ça c'est clair. Évidemment, les premières places mondiales sont trustées par les Asiatiques depuis des années et par les Danois. C'est limite une religion 16, également au Danemark, ce sport. Ah oui, c'est un sport national. Il y a des salles de badminton dans toutes les villes danoises. Clara est en forme, hein, c'est bien. Elle qui vient certainement de passer ses examens à l'université, elle étudie le droit. Ah oui, ça vous parle, ça? Bien sûr. Dans la même université que moi à Liège. D'accord, mais c'est pas facile non plus de pouvoir enchaîner les deux. C'est très difficile, oui. Heureusement, comme sportif de haut niveau, reconnu par l'ADEPS en tant que tel, elle bénéficie d'un aménagement de ses horaires et d'un étalement de ses années d'études, ce qui lui permet de bien combiner les deux. Et ça reste un défi pour tout sportif de haut niveau. Mais aujourd'hui, malheureusement, on en parlait. 11, c'est pratiquement 70. Indispensable pour ces sportifs d'avoir un métier ou de faire des études sur le côté parce qu'ils ne peuvent pas vivre de ce sport, même s'ils sont bien classés au niveau mondial, au niveau européen. Ce n'est pas suffisant. C'est indispensable. C'est ce qu'on appelle la double carrière. 11. On essaie de pousser les joueurs à mener de front deux carrières, une carrière sportive et une carrière, on va dire, professionnelle, parce que c'est impératif. Là, c'était un peu poussif hein, dans le chef de Lisa Demeyer sur ce point. Elle ne parvient pas vraiment à mettre Clara en danger premier set. Absolument pas. Je me demande si elle n'est pas un petit peu fatiguée. Elle a joué aussi le double, Lisa, tout à l'heure. Avec sa sœur. Absolument. Game point. 11. Roland de 7 à 20-11. Elle a hésité à laisser sortir le volant. 20. Le coup d'avertir le premier set pour Clara Lasson. Remporté, on peut le dire, de main de maître, 21-12. First game won by Clara Lasso. Elle est dans son jeu, elle est dans 12. Son élément. Elle est dans sa bulle, bulle. Hein. Elle ne paraît pas stressée par l'enjeu. Non, pas du tout par l'enjeu. Alors qu'elle a pu l'être d'autres années. J'ai trouvé qu'elle était parfois paralysée par le stress quand elle jouait contre des joueuses qu'elle était supposée battre. Mais voilà, je crois qu'elle prend de la maturité et c'est très bien pour elle. Toutes ces joueuses ont peut-être également dans un coin de la tête des qualifications pour de futurs Jeux Olympiques où là également il y a des règles à respecter. Il faut être au minimum dans le top 50 mondial pour y prétendre. Absolument. Donc vous êtes pour aller jouer aux Jeux Olympiques, vous êtes sélectionné d'abord par la Fédération internationale sur base de votre classement mondial.
Et ensuite, si vous remplissez également les critères définis par le COIB, parce qu'il ne suffit pas juste d'être qualifié par la Fédération internationale pour pouvoir jouer, il faut que le COIB, que les critères du COIB soient remplis également. Et ben voilà, les Jeux Olympiques, c'est un des objectifs de Clara. Hein. 2024, c'est possible. On verra bien. On lui souhaite évidemment 2028, c'est plus que probable. Clara 2024, serait, oui, non, c'est pas possible puisque Liam Tan va jouer aux Jeux Olympiques de Paris. Liam Tan, aucune place prévue pour la Belgique, sauf erreur. Et qui était la première joueuse belge dans l'histoire des JO à se qualifier. Oui. Pour les Jeux Olympiques, elle a été qualifiée pour Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020. Elle a été éliminée lors des trois JO qu'elle a disputé à chaque fois en poule. Mais y être, c'était déjà quelque chose. Oui, c'est une fameuse performance, effectivement. Le niveau mondial est tellement haut et tellement élevé que rien que se qualifier est en fait presque un objectif de carrière pour un joueur. Cogne, hein, là, du côté de Clara Lasso, on des bombes. On sent peut-être déjà un peu Lisa de Meyerin un peu dépitée face à la puissance de Clara. Alors là, particularité également, on change les volants un peu quand on veut au badminton. Alors oui, c'est un volant en plume, hein, donc 16 plumes, il se casse très très vite. Et dès qu'il est cassé, effectivement, on peut en changer. Alors certains trouvent des petites tactiques pour en changer plus rapidement, pour peut-être aussi perturber son adversaire, mais on change beaucoup de volants. Oui. Parce qu'ici, ça repart dans la filière longue. J'ai l'impression que Lisa n'y arrive pas. Elle essaye, mais c'est toujours un petit peu trop court, un peu trop juste. Peut-être changer un peu son fusil d'épaule et pourquoi pas alterner le jeu court et le exactement, jeu long, peut-être des amortis au filet, essayer peut-être également de faire déplacer davantage Clara. Oui. Sans quoi. C'est trop court, hein, voilà, le dernier lob, donc c'est-à-dire le coup long en hauteur de Lisa de Meyerin est beaucoup trop court et donc évidemment, voilà, vous voyez là sur le ralenti. Ouais, ça attaque. Ça ne pardonne pas, hein, on est à une centaine de kilomètres heure, donc. D'ailleurs, on peut le mentionner, hein, ça, le match le plus rapide de l'histoire, c'est quand même. Oh, je pense qu'il est à 493 voilà. Kilomètres heure. Alors, oui, on ne croirait pas comme ça. Non. Mais ça envoie du lourd. Hein. Et il faut s'accrocher, hein, faut pas être. C'est pour ça aussi. Heureusement qu'il y a une raquette. Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on change régulièrement du coup de volant, parce qu'ils encaissent fort. Oui. Les pauvres. Un fiche de dure souffrance. Mais il faut toujours quand même, pour pouvoir changer le volant, que l'adversaire soit d'accord. Oui, absolument. Et si tel n'est pas le cas, c'est l'arbitre qui décide. Oui. Ici, l'arbitre Thomas Castillo. Ah, on a également de bons arbitres. Alors là, magnifique, l'arbitre Amarty. Amarty croisé qui a été caché. On va la voir. Hop, là, parfaitement exécuté. Il a laissé son adversaire sur place. Et on est de nouveau. Ça. On parlait de l'arbitrage et justement, on a quand même un bon arbitrage au niveau belge, des arbitres qui aussi officient au niveau mondial, il faut quand même le signaler. Et un arbitre belge qui est semi-professionnel également. Bert van Orenbeek, oui, tout à fait. Arbitre qu'on connaît bien en Belgique, mais c'est vrai que la Belgique est une terre d'arbitres au badminton. Plus qu'une terre de joueurs. Pour l'instant, oui. Mais il faut dire également qu'il y a une formation, un suivi très poussé, hein, du côté de l'arbitrage belge. Excellent, oui. Ça, elle est dedans. Ça, ça a été mal. Mal vu par. Oui, mal négocié certainement. Mal négocié par Lisa. On est un petit peu dans le ventre mou du deuxième set. 7. Ils sont un peu moins d'intensité en effet sur ces derniers points.
Ouf. Un peu de déchet là, des deux côtés. Ouais, beaucoup de fautes directes sur ces derniers points. Ouais. D'ailleurs, je reprends quelques notes, hein, Gilles, concernant l'arbitrage belge. On a quand même en Belgique 6 arbitres accrédités et 1 certifié au niveau européen. Et il y en a 3 au niveau mondial. Donc, c'est quand même pas mal du tout, hein, tout oui, cela. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est très, très bien. Je pense qu'un arbitre belge a arbitré la finale des Jeux Olympiques à Tokyo. Je pense que c'était Berthe. Sven Serré, aussi président de la Fédération belge de badminton, est aussi arbitre international, très reconnu. Et Berthe, il fait partie des huit arbitres qui sont semi-pro dans le monde. Donc, ouais. C'est aussi quelque chose. Oui, c'est. Je crois que très impressionnant. Il a débuté sa carrière semi-pro d'arbitrage juste avant le Covid, notre ami Berthe. Ah. On sent un peu plus de variété maintenant, peut-être, dans le Est-ce jeu. Est-ce que Lisa va pouvoir revenir, oui. Nine. En fait, on parlait tout à l'heure du service long et haut. En fait, ça peut être une arme si votre service est suffisamment haut, de sorte qu'il retombe à la verticale, en réalité. Et c'est quand le volant retombe à la verticale qu'il est impossible de l'attaquer directement. Donc là, c'est obligatoire de passer par la filière amortie ou... Oui. Si vous faites une attaque directe, généralement, ça ne va pas fonctionner. Vous pourriez casser le volant aussi. Ah oui. On set, nouvelle pause à mi-chemin du deuxième set. Et pas encore vraiment d'inquiétude pour Lisa. Non, pour Clara, pardon, dans ce match. Non, elle est confortable, oui. Clara, qu'on va retrouver également en finale du double dame. Double dame, hein, avec Flore Van den Hoek. Oui, qui a été longtemps sa bête noire en simple dame. C'est vrai? Oui, oui. Je pense que c'est l'année dernière que c'était incliné Go contre to 20 Flore. Oui, hein, l'année dernière, les championnats élites nationaux avaient été remportés, vous l'avez dit tout à l'heure, par... Liane Tan, hein, qui reste quand même notre numéro 1 belge au niveau des féminins. 11-7. Et elle s'était imposée face à... L'année dernière, face à Clara. Non, face à Flore. Face à... Ah, mais face à Lisa, à vous Lisa. Avez raison, oui. Face à Lisa, donc Lisa qui dispute en finale. Sa deuxième finale consécutive et qui pourrait, 12, peut-être 7. Malheureusement... À nouveau, être déçu. Ouais. Et c'était Amber Bonen et Carla Henry qui étaient les deux autres demi-finalistes de ce précédent championnat. Alors que la sœur de Lisa de Meyere est en train de jouer sur le terrain à côté, la finale du double mixte avec Tim van der Bruggen. Les spécialistes aussi du double, les sœurs de Meyere. Absolument. 14-7. Lorsqu'on voit Lisa qui atteint 2 finales en simple consécutives dans ces championnats de Belgique, ben, on se dit que c'est en fait une joueuse assez complète. Oui, oui, tout à fait. Elle est très complète. Elle a de la force, elle peut aller vite. 15, elle peut être précise. Bon, voilà, ici, elle est un peu surclassée. Je pense qu'il y a aussi une différence d'intensité entre les deux au niveau de l'entraînement et des objectifs, évidemment. Oups. Très, très belle amortie au filet de Clara. Et elle a remis trop court et elle le paye tout de suite. Service serveur. 8-15. Alors, on entend les scoring donnés par les arbitres, ça se fait toujours en anglais, même si nous sommes dans une compétition nationale. Oui, oui, c'est plus facile pour tout le monde. On donne le score en anglais. Pas de discussion. 16-8. Clara qui continue de défiler les points les uns après les autres, même si là.
J'ai pas très bien compris ce qu'elle a fait là, oui, la fin du service. Service lifté très bas. Lisa, elle conserve sa filière longue au service. Ouais. Ouais, elle est dedans. C'est dedans. Là, Clara va commencer à sentir l'odeur du titre. Et on la voit sourire. C'est le titre qu'elle a tant espéré, tant voulu. L'année dernière, elle avait fini deuxième. Hein, médaille d'argent également, Clara, au championnat francophone élite. Et oui, battue par Liane Tan. Oui, tout à fait. Elle était médaille d'argent en 2021 pour les championnats de Belgique, en 2020 également. Donc, en effet, c'est peut-être le jour de gloire pour... la joueuse du Brabant Wallon. Oui, elle n'est plus qu'à 2 points de son premier titre. Alors. Oui, sur la ligne. Ah oui, un volant de titre. Volant de titre, effectivement, pour Clara Lasso. Qui aura survolé les championnats. Le public encourage. Quelle sensation ça doit être à l'intérieur pour cette jeune joueuse. 21 ans, oui. Ah, ça y est. Avec ce mec de l'écoute, le décrocher son premier titre national chez les seniors. Clara Lasso, tout sourire. Félicitations également à Lise de Meyer pour son bon parcours. Finaliste à nouveau. 21-10. De ces championnats de Belgique, Lise de Meyereux qui finit deuxième, tout comme l'année dernière. Et on va écouter dans quelques instants les deux joueuses qui vont venir au micro de Colin De Coster, qui est en bord terrain pour recueillir les impressions. Clara Lasso. Tout sourire, évidemment. Premier titre, on l'espère, d'une longue série. Longue série, et pourquoi pas avec des qualifications pour les Jeux Olympiques à venir. Hein. On va passer la parole à Colin De Coster, qui est en bord terrain, Colin, pour les interviews avec... la perdante, hein, Lise de Meyer, qui en est à sa deuxième finale consécutive perdue, après celle perdue l'année dernière. Oui, absolument, Thomas, dankjewel, Lisa. Heel moeilijk wedstrijd. Wat is uw analyse van deze nederlaag? Ja, Clara traint veel meer dan mij. Ik kan haar tempo niet volgen, ik kan haar geen beweging niet volgen. Dus ja, ik heb mijn best gedaan, maar meer dan dit kon ik er niet uithalen. Misschien een van de redenen was fysieke frisheid, nee? Ja, ik ben ook wel ziek geweest afgelopen week, dus ik ben inderdaad niet fit. Maar zelfs als ik fit ging geweest zijn, ging het heel moeilijk geweest zijn. U rijdt zijn dicht in de finale. Hoe heeft u dit toernooi ervaren? Ja, ik had graag een finale gespeeld en dat is gelukt. Dus op zich ben ik wel blij. Over de dubbel ben ik iets meer teleurgesteld. Maar goed, ja, alles moet gespeeld zijn en dan kan er dingen gebeuren dat je liever niet hebt. Hè. Dus ja. Dank je wel. Voilà pour les premières réactions de Lise de Meyer. On va d'abord écouter Clara Lasso avant de traduire cette interview. Et Clara, vainqueur donc, championne de Belgique chez les dames en simple. Colin, je suppose que Clara doit être tout sourire à vos côtés. Clara, félicitations tout d'abord pour cette victoire. Premier titre enfin. Qu'est-ce que ça fait de venir glaner ce titre de championne de Belgique? Ben, ça me fait très plaisir parce que ça montre que j'ai travaillé dur pour l'avoir et que c'était un de mes objectifs à atteindre. Alors forcément, il n'y avait pas la favorite Liane Tan qui était là, enfin qui n'était pas là du coup. Mais je devais supporter beaucoup de pression, mais j'ai enfin eu le titre que je voulais. Est-ce que justement vous avez l'impression d'être plus calme, moins stressée sur le court que lors des années précédentes? Non, je me sens plus stressée parce que je sais que je suis première favorite, c'était tête de série 1, tout le monde...
se doutaient, enfin, pensaient que j'allais gagner. Du coup, les gens venaient beaucoup me trouver en mettant beaucoup de pression. Donc, je croyais que c'était plus dur à gérer psychologiquement que les années précédentes où on savait que Liane était la favorite. Vous êtes quand même bien rentrée dans votre match. C'était important de directement mettre la pression sur votre adversaire ? Oui, c'était un de mes objectifs aussi de commencer directement parce que c'est vrai que dans mes matchs, j'ai souvent du mal à me mettre dedans. Et là, c'était vraiment mon objectif aussi, un objectif de jeu, quoi. Allez, on va évidemment vous laisser ça ouvrir ce titre, mais ça va être quoi les prochains objectifs pour le reste de la saison ? Qu'est-ce qui est en tête pour vous ? Du coup, je joue encore le double, donc mon objectif est de gagner le double ici. Et sinon, j'aimerais bien rentrer dans le top 100 mondial d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Clara.